Balandia comme une télévision to ko solo ma solo etali mboka tant to lobaka to ko kuta na boye pour te mettre ma solo etali mboka to ko solo na ba actualité we ezali we ko sala ancrage lelo na kata scène politique ba actualité comme virale na scène politique de la République démocratique du Congo. Est-ce ba sala ka bras de fer na mokonza mboka? Est-ce que ba sala ka bras de fer na fait pas mi intérieur ou ezali ko assurer sécurité à la République démocratique du Congo ou ezali pe Otokoloba représenté un chef de l'État comme qu'on dirigeait le gouverneur. Le gouverneur au sala bras de fer n'avait pas d'intérieur. Ils allaient bon mot masolo toko solo la lelo. Il y a la ville province à Kinshasa, hôtel de ville et comme qui théâtre y a Bitumba. Mais est-ce le combat est déjà gagné de la part de Jekoko Mulumba? Ils allaient beaucoup à l'actualité toko partager lelo. Et Jantiningo Milalobie était dans les masters y a mon Kondamboka. Il y a des gens qui ont déjà qu'est-ce qui se passe dans la République démocratique du Congo avant le 20 janvier 2023? Il y a prestation, il y a serment, il y a chef de l'État. Mais est-ce famille politique qui a beaucoup de gens qui ont déjà beaucoup de gens qui ont déjà bras de fer, l'Union sacrée en feu? Est-ce qu'il y a déjà séparation c'est de l'Union sacrée avant prestation à beaucoup de gens qui ont déjà été invités? Donc on est un peu quoi analyser naé, on est un peu quoi sur la paix politiquement et plutôt informer bino sur la situation collective dans la République démocratique du Congo. C'est mon mingi. Il y a quoi un maman amoka Joseph Mbenza na Congo Live Télévision où il a des bons habitués na biso et bino boyebi à chaque fois mon amoka tanga koleka vous allez parfaitement informer et les lois ezalaki esengo parce que l'actualité ezali les lois esengelaki na moko au toko solana et les lois parce que c'est les informations détaillées, ça mérite aussi un invité détail, mon ami Mbote Ndek Olivier, merci pour l'invitation. Parce que tout ça, il peut mon Nicolo. Moi, mon kekaka, tout le monde en a guité. Mais les loges tenues à ce que, dans les cas, dans la chaîne Abino, dans ce pays-là, dans le monde, il y a un peu ça, il y a sa chaîne Mbote. Donc, merci encore pour l'invitation. Je vous remercie, mon ami, que nous sommes dans la scène politique et la République démocratique du Congo. Les Congolais, mais ils se posent des questions pour nous dire que la ville province de Kinshasa, c'est comme un théâtre. Il y a une aventure politique. Les Congolais peuvent se retrouver dans la ville province de Kinshasa où tout le monde est bras de fer. Où est-ce qu'il entre Jantini Ngobila dans la VPM intérieur? Bras de fer, et comment qu'il entre Jantini Ngobila na Jekoko Mulumba zali bongo vice et gouverneur ville province à Kinshasa lelo ya analyse politique na kata ville province ya Kinshasa mwana mboka Joseph Mbenza. Merci na mutuna na nanya na poser mutuna na biso nyoso. Est-ce que bato baye ba statue ya ville ya Kinshasa d'abord? Ce qui to yebi statue ya ville de Kinshasa, to koye ba Kinshasa aza na importance nini? Kinshasa za ville province parce que ils ont d'abord province et puis ils ont capitale. Siège, il y a une institution. Lieu de résidence, il y a un konzi amboka. Il y a une institution. Donc, ce qui est important, il y a une province, Kinshasa a dit qu'il y a une province. Mais, malheureusement, il s'est fait que depuis un certain temps, il y a dirigé la ville, province à Kinshasa. Ba dirijango na ndenge longo banite ya malamote, c'est-à-dire ville province à Kinshasa et comment neti cop monta comme gouverneur a tché batune na kati, il organise une sorte de mafia a yeline cop na baindo na ba pakistanais na ba libanais na ba indien. Je vais donner un cas de figure. Boyebi que na ville province à Kinshasa la capitale, ce qui est limité, il installe une usine, il y a un liqueur fort, et pas un bandien. Il y a un whisky, un whisky, il y a une couleur jaune, il y a un pembe, il y a un bango, il y a un bateau qui a raté.
Maintenant, chaque gouverneur a Yaka. C'est là qu'il puise son argent, mais en détruisant la jeunesse. Ah donc, Mobile Pay, il puisait l'argent. Mais tout le monde a qui Gracien Tchaka, Tsakala. Tsakala. A qui a Kangé, ils disent pour dire que non, ils produisent Bablo Ramalamouté. Ils sont au Kangé qui est aussi là, mais ils ont aussi après parce que ça copie Nabangoué à l'art. Et c'est tous les gouverneurs. Nekonangaï. Est-ce que Batouba Yebi, l'État, il y a vie province à Kinshasa? Moi, j'ai eu la chance, la semaine passée, il y a Kokende, na cabinet, na bureau, il y a gouverneur. Je vous dis, ça sentait le pipi. Il y a une la salité, Nakati. Ce qui me coti, na place au mitou, que ça la rana garage, na wana po matana ba bureau. Mais je vous dis, je me suis posé la question, comment M. Ngobila, na ba ministre, na ba collaborateur, na ba do travail, na ba condition wana. Batouana, batouana, batmamona, izaka alibanda. Mais ce côté na kati, mais c'est insalubre. Raison pour laquelle il y a moi à Ganega Moussala après-midi. Non, M. Ngobila, il quitte his bay pour son bureau 14h, 15h, 16h. On se pose la plupart des cas, la plupart, non, selon l'information concordante, il travaillait chez lui dans sa résidence. On l'amenait des dossiers là-bas pour signer, pour traiter à la maison. Sikoyo, état physique, il y a Kinshasa Lelo, ville, province, capitale de la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde. Ndeko, il y a M. Ngobila avait abandonné la ville depuis longtemps. Je vous dis depuis longtemps. Ce qui batoubayo kaka to kaka sonnette d'alarme à M. Néron Bungumbungu. Peut-être ville et cause à la boîte. Deuxièmement, le rôle de l'assemblée provinciale à Kinshasa. En tout cas, à mon humble avis, ceux qui sont là-bas députés provinciaux, bah zongi sous la législature passée. Biso ba kinwa toza responsable à malheur na biso. En commençant par M. Godin Poye. Heureusement, à quel national, je ne peux pas le juger. Mais na provincial. Mais la personne qui nous a présenté que le meilleur gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est Ngobila. Qui a chanté le mérite de Ngobila. Bon, quand est-ce que Bakabonaga? C'est quand Godin Poye a sali parti politique naï. C'est là Mindondo Bandi. Vous comprenez? Ça, ils ne vous diront jamais dans la télévision. Parce que Ngobila Monique, na komi na mbanda, adversaire politique. Oh, yonga na zo fouta. Parce que sur le plan administratif, Godin Poyaza mou kondi naye. Mais Godin Poyaza a mbongote. Mbongo Godin Poyaza fonctionne dans le fouta pas Ngobila. C'est là Ngobila, c'est quoi, comme Ramakasi. Et Kimbuta l'a fait avec Roger Ntingi. Donc, au fait, Ngobila n'a copié que ce que Kimbuta avait fait. Vous en avez député. Ozu bango au créer bango dynamique. Ozu ba député provincial au comme ici bango ba ministre provincial. Ozu ba suppléant na bango ba comme ba député provincial, entre-temps tu commences à contrôler et les ministres et les députés. Tu deviens un roi dans la province. Attends l'instant que muta ko contrôler o azate, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'état de ville de Kinshasa, c'est la salité, c'est de la pourriture. C'est comme si, en fait, biso ba congolais, surtout ba kinois, nous sommes individuellement propres, mais collectivement, tout ça saleté. Excusez-moi, c'est trop fort. Parce que Ngobila, na nazala ki na moto moko quelque part, et bisi na même makambo sa mi la ville à Kinshasa, ezaka en ko ya mission Ngobila. Parce qu'il avait tous les moyens de rendre cette ville propre. Même pendant la francophonie, il n'a même pas osé que l'on la basalité. Même pendant l'élection, ça l'a fait semblant. Il a laissé la ville dans la ville. Mais les autres, on a déjà deux sites, on a deuxième thématique, mais quand même, toi, moi, mon qui est tout le monde, a quand même que ville, comme il est décoré partout, tout le monde est même, policiers, même les militaires, ils sont en train de décorer la ville. Est-ce qu'ils ont des changements et apporter les autres? Non, non, ils ont politique moko on va benga sporadique, c'est-à-dire que ils ont encore ka na tamouke, c'est-à-dire ba benga ngo ils ont vraiment politique publique, c'est-à-dire ils ont événement investiture à Mokonza Boka, il y aura plus de 25 chefs d'État, il faut quand même rendre certains acteurs propres. Mais eloka to sepela ki na makambona to moni ke Ngobila a te mis écouter une fois de plus.
Tout le monde a dit, madame, ministre d'État Bazaïba, na chargé de mission et chef de l'État, monsieur Pirens Luntadila, ba onde bazo sala ba misala on a na ba militaire, ya garde républicaine, na ba tout sou bazo sala. Ça, ce n'est que pour l'événement, mais ce n'est pas une politique publique na niveau province. Mais moi, je suis Joseph Mbenza, et là, je suis pas congolais, et là, tout le monde a qui vidéo, moi, comment qui viral, oyo, ngobila, asangisi, ba militant na ye, ba cadre na ye, a parti, ba zali ko yembe la ye, et en fin de compte, alobi ke, nan na master chef de l'État, nan master ya Félix, ba yiba yibiso ba voix nan ko, toko récupérer ba voix nan toke yu, na keye na cour constitutionnelle, ba yibi singa ke ba yiba yibiso ba voix nan ko, et biso pe tolobi ke to récupérer ba voix nan biso nan ko. Gentil Ngobila. En fait, c'est ça l'erreur de Gentil Ngobila. Le président n'a pas d'amis, le président n'a que de collaborateurs. Il s'est pris trop la tête. Et c'est ce qui a fait sa chute. Dans un petit exemple, VEPM et Intérieur a eu une décision administrative à Tindi Telegram. Parce que le VEPM ne fonctionne que sur base à ma Telegram. Parce qu'il ne peut pas envoyer des huissiers chaque fois à base à avion, à Kindekoti, à Kaba document pour ma gouverneur. Il envoie des télégrammes. Dans Telegram, Moana, il était établi suspension, n'ayez pas révocation, s'il vous plaît. Suspension. Les full stop. Suspension, n'ayez. Mais tellement il se prenait la tête, il se croyait ami intime du chef de l'État, à balayer en haut de revers de la main. À quelque saisir le Premier ministre, c'est une faute, erreur administrative. Quand un VPM atteint Telegram, Soki gouverneur à CPLité, il a 72 heures pour introduire le recours auprès du VPM intérieur. Donc le ministre ayant en charge les affaires intérieures. Soki dans le 3 jours, il y a introduction à recours, réponse exactée, vous n'envoyez pas une lettre au Premier ministre, mais vous saisissez le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État est chargé, il y a un problème administratif. À quoi qu'on casse décision, il y a VPM. Mais lui, il n'a pas suivi cette procédure. À Komeli, il y aura pas raison. Na Komeli qui premier ministre, et puis na Ebisa qui mokonzambo, ka Ebisa nga na zonga moussala. C'est de même aussi, Makambo, oya loba qui ke ba Ebisa ba voil anko, na ke sezi te re récupérer on anko. Ça, c'est le gangstérisme au niveau, il y a gestion en boka. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une politique intouchable quand on attend Gentil Ngobila parler ainsi? Mais Gentil s'est trompé d'époque et de personnes. S'il connaissait vraiment Félix, Jean-Marc Aboud, il est parti. Il a compris même au sein du parti, ils sont partis. Il s'est trompé d'époque, il s'est pris trop la tête. Je répète, mon Konzambo Kazalanaba camarade était mon Konzambo Kazalanaba collaborateur, un peu de gars. Combien de fois M. Gentil a tenu un langage moko léger autour de son amitié avec du chef de l'État et avec au brandi rango devant la faute publique du monde pour dire que non, naï, nous t'avons touché Ngazate. Ça, c'est une erreur et puis ça lui a coûté cher. Et là, que Bomi est un des Lolendo qui m'énerve trop. Ndeko, Nazoé Bisayo, ce qui m'a nommé au bio, c'est fonction. Ba jirofa wana nyoso ba protocole ba sécurité wana soki oza muntu na caractère na yo tu n'es pas traité, tu deviendras orgueilleux et puis tu n'écouteras personne. C'est le cas de beaucoup de gens ici, c'est-à-dire ceux qui ont commis na ba fonction wana yeba ngo que non eza tata na binote eza mama na binote, tu peux quitter ces fonctions à tout moment. Apparemment au Congo muntu akomaka fonction, donc c'est-à-dire ceux qui ya zate ko simbate. Beaucoup sont en train de chuter aujourd'hui. Donc là, maintenant, M. Ngobila, parce que Nganalobaki n'a pas été endoyé partout, que jeudi, M. Ngobila cessera d'être gouverneur. Vous avez dit Telegram en attendant que VPM a commis officiellement, M. Ngobila n'était plus gouverneur. Mais on a vu après Telegram, même la suspension, la full stop, la Telegram et Kei, tout le monde, Ngobila, il est venu et il a reçu les hommages étant gouverneur et puis il est entré et a commis la carte à Miro Naye à l'oubli que boulot est à Bissou. Ça fait le buzz, mais c'était une erreur de M. Ngobila. Ça, c'est mon éminence, ça, c'était l'orgueil personnel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de pas humble. Il faut être humble. Mon compte en humble. S'il y a quelqu'un, Félix a encaissé des coups
que personne d'autre n'a encaissé dans ce pays. Mais il est resté humble égal à lui-même. Mais il que Bomi Misongobila parce qu'il n'a pas d'humilité. Normalement, il devait recourir devant son autorité hiérarchique qui est le VPM de l'intérieur Peter Kazek pour lui dire que non, excellent, c'est ce que tu as écrit. Mais il a défié l'autorité du VPM. À Bosani, n'évitez ce qui est à Bosanaki. Tant que le gouverneur est à Ponakabango. Mais pour ma compte en a une fonction, c'est le président qui les investit sur ordonnance. Contresigné par le premier ministre, dont la notification, c'est le VPM et en charge des affaires intérieures. Mais Gobila, il a dit ça clair que c'est lui qui a la signature, il y a côté ça qui est, na oya Kobili, ça y est, révocation, il n'y a que le président de la République. C'est là que je mets en cause et en doute la capacité, il y a que yéba mibé quoi l'État n'a pas toi CP. Pourquoi c'est le ministre ayant en charge les affaires intérieures à notifier? Parce que le président a signé ordonnance. Le premier ministre a constitué. Mais pour compte en Amoussala, il faut que tu sois notifié par le ministre ayant en charge les affaires intérieures. Ce qui a notifié, c'est au salaté. Au moment où même le VPM n'a pas révoqué M. Ngobila, mais il a suspendu M. Ngobila. Ah, Kassima Kassi, Yangou, Yaloubeli, Yangou, que c'est non, c'est-à-dire. C'est le président Félix qui a le droit pour révoquer. Non, non. Non, Peter Kassadi. Mais Peter Kassadi n'a pas révoqué, a suspendu. Il y a une, ce sont des termes administratifs. Mais Peter a suspendu aussi longtemps que Ngobila est allé au boulot. Mais second, le jour-là, c'était le fait de défier l'autorité de l'État, pas du VPM, et défier même l'autorité du chef de l'État. Et nous avons pris une formation pour nous. Pour la VPM Peter Kassadi, selon mes informations, peut-être que M. Ngobila qui a fait effet personnel. Effet personnel aussi longtemps qu'il a convoqué réunion et babou. Wana na koya. Bamba policier na ba pesa qui est bonheur wana, c'est une faute. Faut pas kanga bango. Et puis ils auront des problèmes. Mais ce qui est plus grave encore, to la mouki to toni na comité d'organisation investiture aux athées. Mais tu convoques des bourgmestres sans consulter le VPM et en charge des affaires intérieures. Même le VPM, pour convoquer le gouverneur, pour abéner le gouverneur, il faut que ma paie autorisation à conseil de ministre. Mais il y a de manière délibérée, au bénisse le bourgmestre, pour que ça soit un mot d'ordre par rapport à l'investiture à chef de l'État dont tu n'es pas associé. Une autre encore est quoi ici? Aujourd'hui, tout ça n'est pas parce que. Monsieur Gekoko, gouverneur intérimaire et à ville de Kinshasa, a bandi Moussala Lelo. Je l'ai dit aux gens. N'abattoi CP dans ma plateau. N'a dit bon que Monsieur Gekoko va débuter son travail aujourd'hui, le jeudi. Ils m'ont pas cru. Aujourd'hui, ils me donnent raison. Mais est-ce qu'il y a des paradoxes? C'est parce que nous ne savons plus. Mon amboka Joseph Menza, situé dans la population congolaise, au Kolanda, Bisho, Bayeba. Parce que nous avons deux jours avant férié. Parce que nous savons que pour commémorer les 16, ils avaient Kibongo, Mouzé Laurent Désiré Kabila, les 17, ils avaient Kibongo, Lumumba, ils avaient un jour férié. Mais avant ces jours-là, Ngobila était dans le bureau, dans mon salon, même si elle a suspendu, il était là. Après deux jours, il y a férié, il y a jour férié. Les autres, ils ont mis Moussala Jeli, Gekoko commence le travail. En fait, le problème, le voici. Situation, ils allaient paradoxe. C'est ça, parle. VPM intérieur. Ceux qui ont signé, ont à sali télégramme. Il fallait maintenant instruire le nouveau gouverneur. Mais ça doit se faire par une notification. Il faut en notifier. Parce que le fait de dire dans le télégramme que le vice-gouverneur qui va signer l'intérim, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut qu'on notifie l'intérimaire que désormais, l'État te donne le moyen d'engager la République par rapport à la ville. Mais c'est ce qui vient d'être fait. Du coup, et on sait que les deux jours fériés, mais ça les a ratés, il y a un moment où il y a l'élo jeudi que nous saluons la dextérité du VPM Peter Kassadi. Aussi longtemps que Ngobila Azalaki na Moussala na avant les deux jours fériés. Donc, il y a aussi possibilité que Ngobila aille un peu boulot, peut-être lobby vendredi. Je vous dis, le télégramme avait mis fin de manière officielle, la fonction. Et vous allez combattre Ngobila. Non, non. Bon, ça va. Est-ce que la ville-province de Kinshasa, ils ont attendu la maman Ngobila, ou bien, ça qui est comme héritage?
C'est ça. Maintenant, donc, c'est-à-dire, il y a des politiciens, mais il n'y a pas d'hommes d'État. Comment tu peux être lié? Donc, c'est-à-dire, si toi, tu n'es pas là, tu trouves comme les accords qui sont en cas où on a réglé les azandes. Donc, il y a des gens qui ont été mis là, à sa tête, à pouvoir vivre la Kinshasa. Parce que Azan a copié. Même si vous avez une place à Mobila, dans la minute, parachema Zandouala, avec tout ce qu'il y a comme affaire autour de Zandouala, et que il y a un plan qui est inauguré. Bon, je peux réfléchir en tant que politique. Mais en tant qu'homme d'État, il peut commencer à avoir la continuité de l'État. Il n'y a pas de problème. 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 Même si j'étais à la place de Ngobila, j'allais agir de la même manière dans Nenga Nzoto, dans Nenga Bomoto. Parce que Ngobila avait besoin d'inaugurer Zandou selon réflexion, on a pu peser encore poids. Peut-être qu'on rebondit encore comme nouveau gouverneur. Dans une émission, c'est ça politique. T'es, au lieu que Zandou est sous Kanakop. Moni Zandou, là. T'es là qui dit ça, on ne sait pas comprendre. T'es là, tu vas comprendre. Bon, on a maman à faire. Zandou. Parce que 60 000 étalages. Hein? Si quoi, yo bandi li kambu, mais ils ont dit, au bas Congo, au bas Bakino, au bas Bofoli, c'est-à-dire, dans ce cas, il y a pouf, ou à mon tour, pour bouger, et ça le faut. Mais pour Nazandou, bravo à lui bien qu'il inaugure ça la main en novembre. Mais. Zandou, ce qui l'élo est silly. Mais au moment on a déjà, astuce au sala que même s'il y a inauguré, à vous l'écarter parce qu'il a promis en novembre. Et salamité, à ce moment-là, qu'il soit en lui qu'en décembre, au inauguré, décembre, puis l'autre côté, les autres tendent, déjà vers février, mars, mon amour. Il y a un mot bisou, hein. Tout s'épelle parce que. Jekoko a eu un pivot. Mais il a aussi, parlons aussi de Jekoko, il a aussi des défis à relever, mon Amboka. Parce que nous savons déjà que l'ACP, à travers les ministres provinciaux, à travers les députés, à travers les chefs de rue, c'est vraiment la machine de Kinshasa. Et l'ACP a comme autorité morale, Gentil Ngobila. Est-ce les collaborateurs que Jekoko vient de trouver pour faciliter tâches? C'est quoi l'avantage à Jekoko? Son Excellence, parce qu'il faut lui donner tous les respects possibles, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur intérimaire. Donc, au moment de la ville à Kinshasa, mais le jour que Excellence Jekoko a eu la 7e ville de Mété, la ville province à Kinshasa en 2 mois. Parce que par logo, quel, non, c'est-à-dire c'est un homme qui a de l'imagination. Par quelle base? Non, Nazoya. C'est-à-dire capacité na nzunzu wana yakoya boye, c'est-à-dire que non, o ezali ki normalité a changé en moi. Mais ce que problème na biso ezali. C'est là que nous interpellons Son Excellence Jekoko. C'est-à-dire que ça ne sera pas facile avec lui étant donné que les collaborateurs de Gentil Ngobila vont continuer à travailler. Jusqu'à ce que le nouveau gouverneur arrive. Non, on peut s'en être le cas de. Il y a déjà cas. Parce qu'au gros, j'ai vu la province, à Kinshasa, c'est sans la ressource financière. Bah, ouenze nyo soana. C'est contrôlé la bataille Gentil Ngobila. Vous comprenez? Donc, ça peut poser des problèmes. Mais naïe, ni capacité naïe. Je crois qu'on a la capacité à quoi apprivoiser Bato Ngobila. Bah, bourgmestre et belé. Bah, ça, bato a sepeto yebi. Par exemple, bourgmestre qui tombe, Madame Pepito qui est là, monte Gentil Ngobila, c'est fait. Est-ce que toujours qu'on s'est posé des questions à cause de la
comme on dit, une femme d'État, à mon intérêt à Mboka, ou bien à mon intérêt à CP Nangobila, pour bloquer l'action et à son excellence, Jekoko. Moi, je ne pense pas. Mais ce qui est le cas, il y avait déjà cette guerre-là, je vais déjà depuis Azalaki vice-gouverneur, et tant que gouverneur, Azalaki n'a pas découpé à CP Bélo, Azalaki contre Jekoko. Et Jekoko à la commande aujourd'hui, est-ce qu'ils vont servir l'État ensemble avec Jekoko? Différence, Azali. Parce que Bissoto Bata, on a droit administratif, Nami Beko Yamboka. Surtout, il y a ville province à Kinshasa. Et Zaboué, un vice-gouverneur, il y a un parmi Batounando pour plaider pour changer loi sur les ETD, les entités territoriales décentralisées. Pourquoi? Un vice-gouverneur n'est qu'un assistant. Il n'a pas de signature. Son cabinet est réduit. Le gouverneur peut donner plus de pouvoir au ministre provincial de l'Intérieur que le vice-gouverneur. C'est le cas avec Nerombo. Du coup, avec son excellence Jekoko, il avait une difficulté parce que c'est l'IDPS qui était derrière Jekoko. C'est ça aussi ce qui était la différence. Hein, ce qu'il peut faire aussi, aujourd'hui, comme il a la signature, il peut apprivoiser Bato ACP. Par quel moyen? Parce que c'est lui l'autorité provinciale. Il a la signature aujourd'hui. Monsieur le journaliste. Donc, il a la signature, il a le droit à révoquer. Même à temps, il a le droit de révoquer, mais il a le droit de sanctionner. Parce qu'on ne peut pas te donner le pouvoir de diriger sans le pouvoir de sanction. Donc, toi, c'est peu. Mais ça ne sera pas aujourd'hui comme théâtre encore de voir. Chez Koko Moulumba en train de sanctionner et les boycotts aussi. Jamais, voyons. Théâtre encore. Non, c'est-à-dire, Chez Koko a derrière lui les lois et les règles. Il va travailler sur base des lois. Deuxièmement, il a derrière lui un soutien inconditionnel de sa famille politique et de tous les Kinois. C'est ça déjà la guerre qui a été déclarée ACP non. Et l'UDPS déjà par l'invalidation à Ngobila et Charles Moutamounou et président et mais c'est quoi pourquoi Bazo le Bassou soutient secrétaire général d'Abissou Christian Kabouya? C'est fini aujourd'hui, ça c'est un dossier passé. L'UDPS n'a rien à voir, tu expliquais déjà. Ah ouais, tous les collaborateurs à chef de l'État ont invalidé Bango. Donc, c'est pour dire aujourd'hui la page Ngobila est définitivement tournée. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la fin tragique et politiquement gentil Ngobila? Tewana, c'est à lui maintenant de vouloir parce que au Monelou que ça là qu'un homme d'État, c'est l'humilité et la capacité de se réinventer, de se lancer encore. Mais bah acte Monsieur Ngobila posé, je crois que ça sera difficile. Il a lancé des défis à l'État, pas à Monsieur Peter Kass a dit non. Il fallait qu'il soit humble. Non, c'est un autre exemple. Vital Kamerhe, qui n'a pas subi d'humiliation comme lui, mais regardez un homme d'État. Aujourd'hui, il rebondit deuxième force à Union Sacrée. Monsieur Ngobila a lancé tous ses communicateurs pour s'attaquer au chef de l'État, pour s'attaquer à l'UDPS, pour s'attaquer à Monsieur Peter Kassar. C'était une erreur. Il devait être humble et s'effacer et se soumettre aux lois du pays. Mais aujourd'hui, Etali Bissotin, fin tragique, ou je ne sais pas, Etali Bango. Et qu'on dépend de ce que vous avez place, vous avez dit que c'est un vrai parti dans le discours à obtenir. Ce qui va y attaquer, va causer une contre-attaque, il y a une dépêche. Dans une contre-attaque aussi longtemps qu'aujourd'hui, celui qui a pris bateau et commandement chez Koko Moulumba, et par quelle recette, base, ou pour permettre chez Koko à tenir ville province à Kinshasa aussi longtemps, bah, Kinois déjà, ils étaient déjà très fatigués. Et loco, monsieur, chez Koko, il a un soutien inconditionnel des Kinois et de son parti politique. Et puis, il y a un communicateur et un parti pour dire à la population kinoise ce qu'il fait et ce qu'il fera. Mais, pour Nangaï, son excellence Azaka a trois chantiers majeurs. Ni des poules dans la ville province de Kinshasa, il doit se battre. Bien qu'en 6 années, mais il faut entamer d'abord. Et puis, imposer la propriété aux Kinois. Je sais que ça sera difficile, mais c'est faisable en 2 mois. Et puis l'insécurité. Là, nous saluons le général Kilimba-Limba, qui a déjà commencé ce travail encore, à mon avis, dernièrement, à Kiti, je crois, à Lukunga. Il y a eu un bouclage. Bah. Mais il n'a pas beaucoup de temps. Mais il peut faire. Moi, je connais sa capacité. Dans 2 mois, c'est possible. Moi, je crois qu'il peut faire quelque chose
Nous avons maintenant un papa à la ville province, à la tête de la ville province de Kinshasa qui n'est autre que Jekoko Mulumba. Alors, nous savons aussi que situation est alliée un peu, nous allons chuter par ici, que situation politique dans la République démocratique du Congo, les Congolais savent que le 20 janvier 2023, au stade Martyr, c'est la date pour la prestation des serments de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va, et bien Congolais, va tout n'a guinga moins l'amboka, pourquoi les chefs de l'État, Azali sous la cortège, les gars à la Ranangote, Azali sous la moi, bah, possibilité, les gars à la Ranangote, parce que il va obtenir tout ça le 20 dans le stade de martyr, va couper sa constitution, va remettre encore le droit à la réunion, ce temps président de la République, à Kouzonga, les choses pour qu'à ça, le deuxième mandat, autre, il peut causer là, avec beaucoup d'impatience, la légitimité aux populations, PCI, à Zongi, il s'appelle les choses, moi, confiance, voilà. Population va coller la maï, va coller la courant, va coller la dollar, va coller la panier aménagère. Et d'aller un peu ma défi, nous avons travaillé dans mon. À travailler dans mon, n'a pas collaborateur, ni parce que c'est un travail. Et c'est un travail d'ensemble. À Kokiné, dans mon, n'a pas nani aussi, notamment dans mon cas Joseph Mbenza, mon sacré est en train de brûler. C'est normal. C'est normal. Nazo Betali solo. Bravo, secrétaire général Augustin Kabou, il y a un autre à RFI. Il a sali exposé mon coup magistral. Bravo à notre chef du parti, Augustin Kabouya. Il a parlé de l'Union sacrée. IDPS et son secrétaire général, membre de la présidium, a travaillé dans la composante l'Union sacrée, autour du chef de l'État. Parce que, bisous à IDPS, nous sommes reconnaissants. Dans le parti, dans le mouvement associatif, nous avons travaillé pour l'élection à président de la République. Aussi longtemps que vous avez travaillé aussi avec des partenaires, il y avait UNC. Mais il y a moins d'un seul. Maintenant, pour nous répondre à la question, plus de 23 000 candidats pour 500 sièges. Place Makambo Bandi. Neko, le mécontentement est un caca. D'une manière, d'une autre. IDPS qui a nommé, parce que même dans la bouche des partenaires, c'est la nomination au lieu place de l'expression de la population dans les urnes. Donc, ils allaient qui, MLC a dit cela, que ce sont des nominations. Il y a même des caciques, il y a AFDCA, ils sont en train de dire ça. Et ils ont la nomination et salami. Tout ça, ils voient dans leur tête, IDPS qui a machiné tout cela. Donc, si on a compris, IDPS, on parle de Kabouya. Ben, tout le monde, parce que même Kabouya dans la matinée politique, Kabouya a dit ça, tout le monde dans la matinée politique. Kabouya a dit que Balobio, Augustin Kabouya a voté, a nommé Batou. Oh, boye, Botala, boye, Augustin Kabouya a dit que c'est seul Dieu, ne moutoua yé, parce que. Moi, je suis dans presque toutes les matinées politiques. On accuse notre secrétaire général, notre chef, à tort toujours. Bon, j'ai compris qu'aujourd'hui, il représente beaucoup parce que c'est un homme, c'est un acteur majeur de la politique, mais il n'y est pour rien. N'a expliqué moi, bah, Congolais, moi, Mouké, Marambele, qui m'élection. Ils en ont trois bilots que Salami. Ils en ont au balobi, seuil de recevabilité. Seuil de recevabilité, ça veut dire quoi? Pour osaler le parti n'a vraiment reconnu pour qu'une élection, il faut atteindre au moins plus de 300 partis, 300 députés dans ma liste. Bandimi bino. Et ça, l'on a mis balé tant que l'élection, si on a mis un seuil de représentativité ou bien un seuil d'éligibilité. Wana, il faut atteindre un niveau de députation nationale 1%, un niveau de députation provinciale 3%, un élection à conseil communal 10%. Mais, qu'on atteindre le seuil de représentativité ou bien d'éligibilité, et ça, condition TPC bino directement un siège. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Oh, ton coquille, ça qui sait. Mais n'engani ni tozate. Et ça, le troisième facteur, et ça, quotient électoral. Quotient électoral, ça veut dire quoi? C'est le suffrage valablement exprimé des partis seuls. Donc, en d'autres termes, des partis qui ont atteint le seuil, mais bah, qu'on divise en mot par le nombre de sièges dans chaque circonscription électorale. Pour atteindre la bino seuil, mais au niveau de la circonscription, ce qu'on va calculer les bandits,
si koyo bakozwa le premier de chaque liste mais ekoki kozala pe que non le premier de liste X azui ba voix ebele bakokabola ngo na ba bakitena bakozwa siège moko bakozwa deux sièges bien trois sièges mais na lukunga tozala 4 ceux qui parti moko déjà ezui 3 botika na combien bozui na botika na 11 faut bo potana siko ezana batu mususu Bako ki pe ko bima député national, ce qui va atteindre majorité absolue. Ndet matata mponyo. Na Kindouville, a vu majorité absolue de voix bimi député, mais LGD a atteindre ce idée. So Olobanini. Si ko yon a niveau à circonscription, yon le big aux 12 places, bate belé, bazo se tout a vu combien de voix, ou à l'andio. Pour prétendre avoir un siège. C'est là où Mboutou Mboute Bandi. Biso, il dépèse tous en a 4, pour n'être pas mon conduit na biso. Non, parce que c'est vous, Boza, Bande Konabino, Valien, Abino, Bapartenaire, Bakolo, Bake, Bino, Boza, machine à machine, tout cela. Biso, tous les députés, Bélé, pourquoi? Je vais expliquer le Congolais la vraie raison. Comment Bino, Boza, qui est une élection, Boza, là, expert électoroté. Je salue mon conduit à parti parce que, na conseil principal, Jacques Machavani, Bengi Saki, vient Jérôme Mbosso, Oazali, expert électoral. À la Kisibison à IDPS, comment nous pouvons gagner des élections? Le seul moyen, parce que la loi ne donne pas un parti à sa majorité. Impossible. Il y a un moment où IDPS a Kenaba Mosaïque 19. Mais, toke na combien? Tel en est-il opposant? Bah, opposant, bah, Zaïka a 4 plateformes sur l'ensemble du pays. Mais l'Union Sacrée en avait plus d'une soixantaine. Il y a un moment où il y a Soudi, il y a 20 députés. C'est normal. Si vous avez dit que vous avez 19, INSA qui a 3, AFDS qui a 3, MLC 3. Si vous avez dit que 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 vous avez Congolais. L'IDPS, c'est une machine politique. Mais na base où elle est, où elle est aux députés mondiaux. Pour nous, c'est un échec. On doit travailler pour que tu rebondisses. Là, je salue. Maintenant, sur Kende Sikotalanon, na Congo central, là où je suis né, je suis originaire de là-bas. Nous avons travaillé, mais toujours député Belete, toujours député na Boma, toujours député na Matadi. On n'a pas eu beaucoup de députés, on ne s'en plaint pas. Alors, ce qui l'élo, directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, il n'est pas élu. Orlobani. Des membres de famille Tshisekedi Nyakero, Baza Elite, Orlobani. Le beau-frère du chef de l'État qui bat Samaliba, Oaza ministre, Azuité. Le conseil principal du chef de l'État, directeur de campagne, Azuité. Mais ce qu'il fallait qu'on nomme, Madame Roselyne Mbombo, cousine propre du chef de l'État, Azuité. Mais ce qui est nomination. Elle fait partie des mosaïques UDPS. Namoni batwazo tomboka. Eh, maman batwaza na kata mosaïque. Aza pena ba député na mosaïque. Oh, ya kreya. Oh, ezali alien na IDPS. Le kola, vepem pite kata di. Non, monsieur Jacques Chabani. Elle a gagné son élection. Boti da maman tranquille. Madame Akasia Bandoubola, apaisez-vous, nous sommes là. Donc, bato bazo ko tire sur yé. Balouka batu moussous. So bon moni ke boza makasi. Bozi ba peve toke na contention électorale. Tout qu'on a contenté, Madame Akasia Bandoubola a gagné l'élection et haut la main. Mais déjà nous allons parler aussi parce que deux questions parce que tout vous chitez Nabisso. Élection 2023, oh, ça fait couler beaucoup d'encre. On va revenir avec M. Joseph Mbenza parce qu'il faut qu'on débouche ou bien qu'on bimisse ça encore. Il y a d'autres vérités. Oh, bah, Congolais, Bélé, bah, Kozela, parce que après investiture et chef de l'État, il y aura ceux-là qui vont continuer à contester parce qu'ils sont en train d'attendre aussi l'élection législative à niveau provincial. Mais moi, dans mon cas, prestation et serment et chef de l'État, enjeu majeur et animé. Ah, Omoni, c'est la première fois. J'ai suivi M. François Soudan, il y a, je crois, Jeune Afrique, à l'Obiboué. Malgré les dysfonctionnements de la Commission électorale nationale indépendante, on ne pourra jamais remettre en question l'élection de M. Président Félix Tshisekedi
à l'élection présidentielle. Vous comprenez? Mais je suis étonné de voir aujourd'hui Limbi Sangaï, ce ne sont pas des hommes d'État, ce sont des politiciens. Trois individus. Le premier se nomme Martin Fayulu, l'autre Moïse Katumbi et Anzuluni, vouloir faire une marche le 20 janvier, le jour de l'investiture. C'est pour protester en face, il y a monde, et même de près de 25 chefs d'État. Des petits politiciens, des petits politiciens, des petits stratèges. Ils ne sont pas contents contre. Et ils ne sont pas contents. J'assume ce que je dis, mais ces gens-là sont des petits stratèges en politique. Donc, vous voulez faire entendre vos voix parce qu'il y aura 25 chefs d'État maroyan à Kinshasa. Et vous voulez profiter ces jours-là. Eux, c'est un jour festif. Donc, vous n'avez pas la capacité de mobiliser les gens en dehors de tout ce qui se fera parce que, Baïbi, que ville, province à Kinshasa, et vous allez vivre Moko sur une haute, forte sécurité. Et c'est le jour, voilà ces individus qui veulent perturber notre quiétude. Ça, c'est de la bassesse au niveau de la politique. La bassesse au niveau de la politique. Il fallait bâtir qu'investiture et l'équinango. Ou bien, ça, il marche dans le. Est-ce que sur l'investiture et l'équiche, Félix est vraiment dans ses fonctions? Non, qui vous dit que non, cette marche peut empêcher une investiture où la Cour constitutionnelle a déclaré définitivement? Ils ont été incapables. Aujourd'hui, je salue les évêques qui ont dit qu'ils vont accompagner le chef de l'État. Bravo à eux, mais nous t'entendons tout à la sincérité dans Bango Pé. Parce que tu dis qu'il y a des bons et des mauvais évêques là-bas. Mais regardez, Ndekouba Ongé Zaboué. Pour la première fois, depuis 1960, crise à légitimité au sommet de l'État et Sili. C'est fini. Nous avons maintenant un président qui est légitime et qui l'a toujours été depuis 2018. Maintenant, il va travailler. C'est pour cela que le monde entier converge à Kinshasa, 25 chefs d'État et des délégations. Ça sera une grande fête. Mais après l'investiture du chef de l'État, le chantier est énorme. Moi, je demanderai à monsieur le président de la République. Il y a deux choses. Le social et la guerre à l'Est, point barre. Focalisez-vous là-bas. Ne contentez pas des partenaires de l'Union sacrée. Ils ont déjà eu suffisamment ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est le peuple. Parce que plus on va venir politique, la bise dépend de la bilotte en 2028. Même si on vit à IDPS. Tu y dit que ma partenaire rebelle dans la Union sacrée vont nous quitter fin 2026, début 2027. Pour maintenant, Koko m'a opposant à Bisso, il y a le chef de l'État dans l'IDPS. Tu y dit ma calcul ou en ami. C'est pour cela que j'interpelle le chef de l'État. Même le choix est primature, il y a premier ministre. Monsieur le Président, vous ne devez céder à aucune pression. Moi, je connais un peuple. Moi, je suis un peuple né. C'était aussi la deuxième question pour terminer. Le PS, la majorité, a le droit à la primature. Alors, qu'il serait le choix? Le PS, a parti, le coup, la partie Nyonso, même UNC, a réclamé primature, même AFDC, a réclamé primature, même MLC. Mais ils ont dépendu d'un pouvoir discrétionnaire à chef de l'État. Mais en tant que né Congo, moi, je souhaiterais, monsieur le Président, que la primature revienne au Congo central. Pourquoi? Congo central, quel choix? Non, parce que, non, je, maman, mon frère, il y a une dame que, exceptionnelle, il y en a beaucoup, Bazali. Une dame, la primature, Madame Touluka Soumiana Judith, ministre actuelle, ministre d'État au plan. C'est une femme exceptionnelle. Pour la première fois, tous en a un premier ministre à moi aussi. Ça fera. Et vous allez surprenant et surprenante. Non, ça sera peut-être une. Peut-être avec Félix, attends, tu sais quel. C'est possible. C'est possible parce que. Et puis, c'est les champions masculins. Et puis, la seule communauté, la seule tribu, la seule province qui n'a pas fait de pression au chef de l'État, mais qui ont accompagné le chef de l'État sur le Congo central. On n'a jamais fait de pression. Et je crois que le président doit peut puiser là-bas de valeur. Là, je salue aussi André Wameso. Le directeur de cabinet adjoint, monsieur André Wameso. Un homme intelligent qui a eu à manœuvrer beaucoup d'actions du chef de l'État par rapport à la récupération à carré minière et pas monsieur Dan Gettler. Puis il y a le pétrole. Mais je vous dis, c'est un monsieur intelligent. Sans oublier, je salue son élection, le gouverneur Guy Bandou. Parce que actuellement, dans le Congo central, le stade de Lumumba, et il confie un grand marché. Je salue M. Yannick Pirens Luntadila. Voilà les nés Congo des valeurs. Sans oublier, il y a un hôpital général, il y a Kinshasa. C'est piloté par un nés Congo. M. Divengi, qui est le directeur général.
Voilà le résultat des Nekongo. Est-ce que aujourd'hui déjà un Nekongo dans les détournements, dans des bêtises? Non. Ils ont été corrects, ils ont accompagné le chef de l'État dans tout ce que le chef de l'État faisait. Donc, le Congo central, Mokonzambo Kapata l'a mis sous pour dire quand même, Bino, pour ce que vous m'avez donné. D'ailleurs, il a des racines là-bas. Bravo, chef de l'État, parce qu'il nous construit un port en eau profonde pour la République, mais c'est dans la province. Bravo pour le projet pilote à 145 territoires. Oui, mais madame Judith Tumiana Nazobeta, parce que c'est elle, au fait, l'actrice majeure, il y a développement à Congo Lobby. En dehors, il y a chef de l'État et premier ministre. Bobby, pourquoi? Parce qu'ils ont piloté programme, il y a développement à 145 territoires. On dit que première phase, ils ont aussi là, dans le mois de janvier. Tous les côtés, dans la deuxième phase, il y a un jeu après investiture. Développement à territoire, maintenant, Mokonzambo a lancé. Construction à la route des desserts agricoles. Deuxièmement, la brigade agricole pour résoudre le problème Yanzala. Troisième phase, c'est l'électrification des territoires et Mayape Sanaba Congolais. Mais il y a beaucoup à dire, moi, Mboka, Joseph Mbenza, il y a beaucoup à dire. Parce que nous disons aussi ensemble avec Congolais et Télévision, nous allons nous battre surtout pour notre deuxième mandat Oyo. Voilà, moi, Mboka, Joseph Mbenza, nous sommes vraiment, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Moi, de la fin, na balandino soit Congolais et Télévision et na ba téléspectateurs, nous sommes à Zouili Bakwa Kolanda. Le secrétaire général Augustin Kabou y a bengi si ba Congolais nyoso de tout bord ba yana martyr le 20 et puis ba Congolais nyoso to soutenir Mokonzamboka mais na kokai aussi lisate ndeko Mokonzamboka je crois que azalaka moto azala motema monene media na bino esali mingi pona 5 ans oyote le kamé je crois que na 5 ans oyetikali que vous soyez parmi bato yo bazana ba entrer na présidence ba pesa bino pe occasion wana. Beaucoup ma permanent la présidence, la primature, l'Assemblée nationale, vous en accès partout et que toujours c'est la peine à la directeur de cabinet chef de l'État, monsieur Eric Nyundu, a foulé la bino ba porte parce que vous salim sala mon aîné, sans compter ma ministre pe ma mandataire. Merci. Donc bravo à vous, donc ma Congolais to garder sérénité, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Rendez-vous à tout le monde le 20 janvier au Yona Stade de Marti. Il faut retenir cela. Il était numéro 20. Il a reçu 73,34. Il sera investi le 20 janvier. Donc, numéro 20 et un numéro moko. Égalisation à Binabisopé, numéro 20. Et numéro 20, Yohan Wissin. Grand merci.